C'est mon Lulu. Bonsoir. Alors, est-ce que Namoro est arrivé? Allô, Miyazaki? Oui, mais je vais avoir de la latence, non? Ah, tu vas avoir de la latence, mais je vais pas te demander de regarder le live. Je vais te faire un live rien que pour toi. Oui, je suis comme ça. Ah oui, je m'entends et il y a une petite latence. Hop là. C'est normal, hein, un couple live, ne t'emmerde pas avec ça. Je vais te streamer ça. Mais j'espère que ça va, j'espère pas que ça va ramer du coup. Parce que ça rame. Ça Comment rame ça un petit peu. Bah, quand tu mets Discord, ça a tendance à ramer. Enfin, bonjour en tout cas tout le monde. Ça n'a pas tendance à ramer, homme de peu de foi, ça va très bien se passer. D'accord. Cette fois-ci, je sens que ce sera différent. Là, ça a l'air d'aller en tout cas. Ce sera pas un pur désastre, pour une fois. Et tous ces mots échangés, alors que se déroule devant nos yeux ébahis l'incroyable intro de Suikoden 2, avec cette bande-son signée Jean-Michel Bruitage. Que j'ai vu un million de fois et que je me lasse pas. Tout dou 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 dou. Tiens, en voyant trois étoiles de couleurs différentes, j'ai comme l'intuition que Nanami, elle aussi, serait une sorte d'ambassadrice du destin, non? Je sais plus si elle fait partie des étoiles. Je crois qu'elle fait partie. J'ai un doute, je sais plus si elle fait partie des étoiles. Bah, t'as Joey, enfin, t'as le pouvoir de destruction, le pouvoir de je sais pas quoi. Enfin, j'ai pas trop compris, quoi, parce que c'est normal. On est qu'au début du jeu, je ne suis pas censé savoir. Et d'ailleurs, je ne sais pas. Et je ne veux pas savoir. Mais on verra. Je pense que Nanami est un peu un personnage clé, tout comme Joey et notre ami Ryu. Je vous prie de m'excuser. J'espère que tout le monde est bien arrivé et que cette fois-ci, tout se passera bien. On n'avait pas le son, tout à l'heure on a essayé de lancer. Ça a foiré, c'est la faute de Namoro. Veuillez l'excuser. Bon, l'auberge du Dain Blanc. Hein ? Ça me rappelle... Je t'ai dit, faut aller à Muse, on a dit. Oh là là, j'ai pas envie d'aller à Muse, moi. En même temps, on est tout près, donc bon. Bah voilà. On va pas chanter du Arne Vinzon ce soir, je le promets. Il fallait aller par là, peut-être, je sais plus. Le magasin d'armes. Je suis pas du tout sûr, hein. Acheter, vendre, objet rare. Jambière. Ah, je crois que c'est en haut à droite, de mémoire. Hein. Ça date un peu la dernière fois que j'ai fait le jeu. Ah, ça c'est peut-être pas mal des jambières. Après, c'est que plus 2. Mais bon, tu veux, c'est... Je me rappelle que j'ai passé les dernières parties à souffrir avec le manque d'objets, de place dans mon inventaire. Ouais. Peut-être ça. L'Empire Million. Non, c'est une espèce de forge en fait où on doit se rendre. Oh, il connaît pas son propre jeu. Oui, oui, c'est une forge. Ouais. Excuse-moi, je fais un autre truc en même temps. Pas bien. Comment ça? Alors, toute ta concentration, je t'arrête tout de suite, doit être sur le live, bien sûr. Mais c'est à droite, je t'ai dit, en haut à droite. Bah, tu m'as dit en haut à gauche. Non, je t'ai dit en haut à droite. Eh, attends, regarde, j'ai découvert un truc dans ce jeu. Quoi? On peut pousser les gens, loul. Ah bah ouais. Bon, ça sert à rien, mais t'as trouvé ça joli, quoi. Regarde. Ah ouais. Vous en voulez... ça, je crois que je le savais pas, moi. Vous en avez marre de ces romanichels? On va vous en débarrasser. On va les dégager de la vie. Là. Bon, allez, excusez-nous, hein, bien sûr. Excusez Namoro. Ouais, le Namoro Solus. Bah non. Voilà, c'est ça. Ouais, je te l'avais dit en haut à droite, alors. C'est ce que j'avais dit, oui. Donc, Star, Staff, Joey. Ah non, mais Joey, je veux pas, parce que Joey, c'est... Voilà. Ah, y'a que Joey. Bon, bah, laisse tomber, alors. Je pense voilà, tu vois, tu... Aller. Voilà, Namoro nous a fait venir pour rien. Ouais, c'est ça. Bah, on va pas faire Joey, quand même, t'es d'accord? Non, bah, plus, je regarde le YouTube, donc là, c'est plus long. Y a de la latence, je suis con. Ça va, le son est bon sur YouTube, tout va bien?
Bon, bah continue du coup. Non, je pose la question. T'as le son, t'as tout? Bah non, moi j'écoute pas le son parce que je m'entends. Du coup. Attends. Je j'aime pas m'entendre moi. Bah je veux bien écouter, attends, attends. Quel modo en carton? Bon, ça va. Hein. Bon, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. Après, ça nous net, elle peut le dire aussi. Voilà, tout va bien. Hein. Le son est ok et l'image aussi. Donc voilà, au revoir. Au revoir, merci. Ah, c'est pas simple. Je me suis souvenu, grâce à ma mémoire incroyable, messieurs dames, qu'il fallait passer par ici pour rejoindre en fait le territoire de Highland, si je m'abuse. Ah, il y avait un truc pour donner les ordres à tout le monde en même temps, non? Oui, il me semble, oui. Auto, voilà. Oh, voilà, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, sur le live précédent, je crois que j'étais en train de commencer à me plaindre de ça, de devoir chaque fois cliquer sur... Et en fait, non, le jeu est bien fait, quoi. Ça, c'est la marque des jeux qui sont des bons jeux. Ils avaient anticipé la lourdeur de devoir effectivement donner des consignes à 6 membres d'équipage à chaque combat, quoi, en fait. C'est vite relou, hein. Donc, en gros, qu'est-ce que j'ai? J'ai... Humphrey et j'ai Fudge qui sont deux personnages pétés à niveau combien, niveau 45? Bah oui, oui. 37, 45, ouais. Et les autres ont monté niveau 37, 37, il n'y a que Nanami qui est niveau 19. Bah, il faut bien que les autres puissent la soutenir. Je pense qu'on va un peu rouler sur le jeu quand même. Alors. Ça va bien se passer, hein. Voilà. Je sais plus si c'était ici, je crois que oui. C'est ça ou pas? Non, si tu retournes là où t'as triché, là. J'ai pas triché. Ah, mais mince, c'est trop sur l'ouest. Fallait être... ouais, je me rappelle aussi qu'on arrive directement dans une forêt. Normalement. J'aurais dit... ouais. Moi, comme ça, tu farmes un peu, bon, même si t'es déjà au niveau. Pour Nanami, hein. Ouais. Mais j'ai un peu farmé que Nanami aussi, je pense. Normalement, on n'avait pas le niveau 19, on avait, à la base, on avait le niveau 7 ou 8, en fait. Hein. Ouais, ouais. Loul. Est-ce que ce serait ici? Ouais, je pense. News Island. Ça, C'est ça. Ouais, c'est ça. Derrière, c'est la zone neutre avec Highland. Personne n'entre sans autorisation. Nous sommes ici par ordre du chancelier Palpatine. On a dû annoncer notre arrivée. Un instant, s'il vous plaît. Je commence à être pas mal excité, Ryu et Joey. J'ai l'impression d'être un espion ou un truc romantique du genre. Et Joey, qui fait... Vous pouvez passer. Moi, ouais, c'est ça. Joey, c'est un peu amoureux, en fait. Hein. C'est le personnage qui lui convient. En prenant c'est, un raccourci... C'est une... tu sais quoi, quoi. Une trahison. Je sais pas si on peut... Non, oui, je voulais dire un gros mot, mais tu vois. Je m'abstiens. vu que je suis pas sur mon live. En prenant un raccourci par le bois, vous pourrez approcher du camp Highland sans être vu. Suivez-moi, je vais vous indiquer. Bon, on est sur la bonne voie, c'est déjà ça. Est-ce qu'il a un truc à dire, celui-là? Ah bah non. Voilà, il y avait un petit passage dans la forêt. Si vous traversez ce bois, vous trouverez le camp Highland. Et je me rappelle que là, on rencontrait la princesse, en fait. Dans sa On se cachait dans sa tente. Oui, c'est ça. C'est ça. Elle nous protège, en fait. Je crois. Donc, ils doivent se séparer à ce qu'il nous dit. Mais pourquoi, en fait? On peut pas passer vers Highland, donc on passe par là. C'est ça. Ok, plus qu'à explorer cette fameuse forêt. On va aller totalement vers l'est. Je sais pas pourquoi j'ai une intuition. Et voilà le travail. Je regarde si ça rame sur le live. Jamais. Mais non, pas du tout.
Il y a beaucoup de combats quand même dans ce camp de jeu. J'ai l'impression que ça. Bon, par contre, du coup, ta deuxième tentative, il n'y a plus personne sur le chat. Hein. C'est pas rond, tout ça. Pas grave, on s'en fout. Toi, t'es là. C'est pas fou. Tous des traîtres, on pourra. Au moins, ils nous donnent l'occasion de leur dire t'étais pas là. T'étais pas là. Alors, est-ce que aller totalement vers l'est est la bonne solution? Parce que j'ai l'impression que c'est infini le truc. Non, c'est pas un moment, c'est ça. Mais ah, souvent, il y a des coffres qui se planquent. Tu sais si on sait revenir dans ce genre de. Dans ce bois après, plus tard? Non, non, je crois qu'on peut plus y aller après. Oula! Voilà qu'on fasse attention alors qu'on essaie d'avoir tous les coffres. Bof, tu parles. Bon, comment ça? Tu vas les rater, parce que là, tu vois bien. Ah non, tu vois. Circuré. Ah. Oh, non. Ah, t'es déjà full! Mais toi, comment tu t'es démerdé? Pourquoi tu t'es pas vidé? Bah, je voulais me vider, mais. Mais putain! Et en plus, tu le savais. Le type dit: oh putain, j'étais full. Bah oui, voilà. Bah, d'accord. Remède, c'est important ça? Bah, c'est pour te soigner. Quand t'as pas de soins, après, tu t'as commencé à t'équiper de soins, je crois. T'as un petit peu moins besoin maintenant. Boulette de poisson frit. Purge magique, bah, ouais, les matériaux. Y a pas de don, Xeno. Donc forcément que tu pues du fuel. C'est ça. C'est ça, faut aller dans le Patreon, là. Le Patreon, faire des dons. Parce que du coup, tu gagnes un pins. Si tu vas dans le Patreon et tu mets 50 balles, tu gagnes un pins. J'aime la... Voilà. Bon, je vais pas dire la suite. Putain, je suis pas sur Discord, je peux pas... Circuler. Enfin, machin bolo. Boulot, machin, tu sais quoi, en pins. C'est pas mal, ça. Mais alors, pour revider mes objets, hein, il fallait retourner, en fait, tout en bas à la forteresse, pas à la gonzesse, c'est ça? Non, Amuse, elle est Amuse, maintenant. D'accord. Il y a la de gonzesse Amuse, pour l'instant. Oh, c'est chiant. Ouais, parce qu'on va traverser combien de paysages et devoir jeter combien d'objets, comme ça, à cause ah, de ah, voilà, ça. Donc retourne Amuse et dégage... Bordel. Oh là là. C'est chiant comme les inventaires limités dans les jeux. Oh là là. Ouais. À part dans Resident Evil, c'est quand même pénible. Surtout dans Resident Evil. on rigole. À part, on a dit, à part. Oui. C'est un peu le concept du jeu. Ouais, dans un JRPG comme ça, t'as pas trop envie de ça, quoi. Bon. Non. Tu trouves des centaines Après, d'objets dans chaque. Base, c'est la base des RPG. Mais bon, c'est. Ah, il fait des petits dommages aussi, le loup. Il fait la bouboule. Il est pas faible, hein, le loup, là. De quoi Allez, il est pas faible? On repart. Heureusement qu'on peut. Bah, le loup, c'est le plus... C'est mon... Pour moi, c'est le perso le plus fort du jeu. Donc, ah bon? Ouais. Enfin, bon. Un des plus forts. En fait, on était juste à côté de Muse, donc c'est très bien. Après, t'en as un qui est assez puissant, mais qui arrive vers la fin du jeu. Tu te rappelles où elle est, la gonzesse, là? Peut-être ici? Dans l'eau, là où t'as recruté la meuf, là. C'est pas elle? La blondasse. Voilà, là, là-dedans. Il me semble que c'est là-dedans. Elle doit être cachée quelque part. Alors, pas là. Pas là, c'est pas là. Descends, je crois. Là, c'est juste pour changer les membres. Donc, c'est pas là. Mais je crois qu'elle doit être en bas. Ah oui, je dis des conneries là. Si, la blondasse, elle est là, normalement. Je... Ouais, on l'a descends. Déjà recrutée, hein, c'est fini. Ouais, mais elle était là. Bah, elle est pas. Bah, elle est où la meuf? Je suis arrivé par où, les gars? Non, mais c'est pas là, c'est pas là. Ah, par ici. Je sais plus où elle est. Bah, j'ai oublié où elle était là. C'est peut-être elle, non? Bah, là, t'es au milieu, descends, redescends au milieu. Ah merde, je regarde YouTube, moi, je suis con. Oh putain, je me suis trompé d'endroit. attends. Je sais plus où elle est. Bah, je sais plus. Je pensais qu'elle était là. Elle peut pas te stocker des choses là? Ouais, la meuf là? Tu peux juste ouais, changer. Ah, oh, c'est chiant vraiment ça. Non, bah non. Alors, je sais plus où elle est. Je pensais qu'elle était là, mais elle est pas là.
On va faire du mieux qu'on peut, hein. Je dois tout fouiller, hein. Je m'en souviens plus, où elle est. Vu qu'Amuro n'est pas très loquace. Ouais. C'est con. J'ai oublié. Menti Solus, elle est où la meuf? Voilà. Maître Rune. Attends, je réfléchis. Parce qu'elle est pas... C'est un peu con, on a acheté 4 antidotes pour... Le circuit qui ne servira probablement jamais à rien en plus. Bon, il y a une forge ici, du coup, c'est la forge. Ah oui, c'est là où on était tout à l'heure. Non, c'est... Donc, c'est d'ailleurs, pas là. À droite, va, parle au mec à droite. Attends, je vais vérifier un truc. Je crois qu'il te donne un truc important, lui. Ah ouais, mais... attends, non, mais pas encore. Okay. Donc, ouais, je sais plus. Je vois. Qu'est-ce qu'il y a, ça sent le perso chiant à trouver. Non mais c'est pas ça là, on cherche. Oui, on cherche la meuf en fait qui était dans le château du début. Enfin, c'était pas château, mais dans le repère du début là, qu'il fallait qu'on protège et tout. Il y avait Victor et tout ça. Bah la meuf, elle s'est déplacée, mais je sais plus où elle s'est déplacée en fait. C'est chiant. Je vais pas me laisser passer hein, le bout. Non, non. Bon, il faut que je trouve. Ouais, parce que tant qu'on peut pas vider nos objets, c'est un peu pénible, quoi. Bah après, t'as qu'à le vendre, hein. Bon, non. T'as qu'à les vendre. Alors, attends, où ça peut être? Parce que ils sont tous... trop... Ils se sont tous cachés à Muse, je me sens. On va tout explorer, hein. Bah, vas-y, mais... Ça m'étonne. Sinon, il faut que je regarde la solution, attends. Voyons voir. Alors, ouais, rien d'autre à faire que d'explorer chaque maison. On finira bien par tomber dessus, ce serait pas elle des fois. Quelque chose vous plaît, non? Purée, quoi. Vous allez voir, hein, qui va se rappeler qu'en fait, elle est pas du tout amuse, Lou. Bah elle est peut-être pas amuse hein. Oh là là. Oh là là. Ça dépend de la partie plus. Du jeu où on est quoi. Ouais, peut-être qu'elle est pas encore dispo là. Sinon on va jusqu'à... Ah non, on peut plus rentrer dans la forteresse je pense hein. Non, non, allez, non. Comment est-ce qu'elle s'appelle d'ailleurs cette grosse qui reprend les objets? Non, mais en plus, ils le disent pas là dans ma Switch. Ils disent pas que tu peux la retrouver. Enfin, il faut que tu retrouves le nom de cette. Au début de la Solus, à mon avis, il doit y avoir le nom. Et dès que t'as le nom, tu sauras où la trouver. Bah non, pas forcément. Bah, ils te diront peut-être où elle est parce que c'est un personnage hyper méga important vu que c'est à elle que tu peux ramener tes objets. D'ailleurs, tu sais quoi, tape sur Google comment libérer de l'inventaire dans Suikoden 2. T'auras tout de suite la réponse. De quoi? Bah, mais si non, je... ils ont pas à te dire. Mais quoi, si aussi. Tu regardes quoi? Je vais regarder moi-même, attends. Alors. Bah, vas-y. Parce que je vois pas trop ce que tu cherches, mais. Bah, comment libérer de l'inventaire dans Suikoden 2? Si je tape oui, cette question, oui, eh ben, il va me dire, ah bah oui, vous devez parler à tel personnage. Oui, mais des fois, il n'est pas dispo. C'est ça le truc. C'est à mon avis, il n'est pas encore dispo à ce moment-là. Pour ça. Mais tu peux... Regarde. Hein. Je suis tombé tout de suite dessus. Un post sur un forum de 2012. Oui, mais c'est pas la question. Oui, mais c'est... J'ai pas d'autre choix que de faire ancienne vente, ce qui ne te sert pas en attendant de retrouver Barbara. Voilà, c'est Barbara. C'est ça.
Barbara, elle doit pas être dispo à ce moment-là encore. Punaise. Quel jeu de mort. Comme dirait Hooper. Bon bah on va vendre hein, ce qu'on a en trop, voilà, c'est tout. On a pas le choix. J'avais acheté plein de remèdes en plus. Mais là ou la partie d'avant? Je sais plus quand moi. Ouais. Ah oui, c'était... Mais maintenant t'as de la magie pour te soigner de toute façon. Pas sûr. Je t'avais dit non, de me mettre un soin. Enfin bon, on est à combien de temps de live? On a encore rien foutu. Hein. J'ai vent curatif. Le circuret, ça a l'air pas mal quand même. Talisman évasion. C'est un truc qui se détruit après usage ou pas du tout? Bah le... Moi je te conseillerais de le... Enfin je sais pas si t'en avais laissé un... Tu parles du Jinzo sacrificiel? Faut non. En garder un, ça va... De quoi, le talisman? Du talisman évasion. Oui oui, ça s'utilise une fois. Ouais, j'ai pas beaucoup de place hein, par contre. Le circuit, ça te semble bien? Bah ça, c'est, ça dépend, tu peux le voir si ça augmente certaines... bah là tu vois pas. C'est pour ça que tu peux le voir. Faut que tu vois quand tu essaies de te l'équiper, faut que tu regardes si ça monte des compétences, ça monte des... Si comment dire, quand, que l'équipement est bien pour certains persos, tu le vois quand tu essaies d'équiper. Écoute, j'ai vendu 3 trucs, normalement j'ai un peu de place, pas beaucoup mais... J'ose pas vendre le coup furieux, ni le vent curatif, ni ce qu'il me reste de remettre, faut pas déconner, le giso je vais le garder. Étincelle, tout ça c'est des matérias entre guillemets, des runes quoi. Non c'est pas des matérias, mais non c'est des objets que tu utilises une ou deux fois et après c'est fini. Non ici le titan, ah, pixie, ça, oui, étincelle. Ah oui, ça oui, ça alors, oui, ça oui. Essayez de suivre monsieur. Allez, je pense qu'on devrait être un petit peu mieux, enfin, j'espère surtout. Circuret, il faudrait que je vois en fait à qui je peux le mettre. Casque, on va essayer. Alors, si j'essaie de le mettre sur Joey, mais sans Joey, il mérite rien. Donc, si on mettait sur Humphrey par exemple. Ouais, c'est pas pété hein, le truc. Au pire, si on doit se débarrasser de cet inventaire là, cet équipement. Ouais, tu peux, bah, tu peux virer ça. Ce qu'on va faire, on va juste sauvegarder sur la map ici. On peut hein, ici ou on peut pas sur la map, je sais plus. Pas l'impression. Non. C'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne. Bon. Du coup, j'ai été totalement... On va essayer d'aller totalement par ici pour une fois. Ouais, du coup, tu dois avoir un coffre par là. Ouais, sans doute. Je vais passer la forêt au peigne fin. Ce qui est embêtant, c'est quand tu trouves effectivement le camp... Et que bah on te dit voilà le scénario va continuer et tu peux plus rien y faire quoi, ça c'est chiant. De quoi quand t'arrives au camp? Ah oui. Et comment ça je raconte des bêtises? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah. En plus, il donne des objets, quoi. C'est troll. Il m'a donné quoi? C'est de la merde, en plus. Armure de... Bah ouais, comment voilà, veux-tu... Voilà, 22. Bah non, je veux pas ça, les gars, non. Ah mais non, qu'est-ce que tu fous? Bah, j'ai remis ma scale mail. Ah, ça va. Je l'avais retiré par accident. En fait, je voulais cliquer sur l'armure du cuir pour voir si je pouvais la disqualifier, la jeter tout de suite. Bah tu peux, hein, je crois. Ah. Ah, je m'en souvenais plus de ça. C'est quoi? Le perso au milieu, là, il est marrant. Bah, ça doit être un... C'est pas un perso que tu dois voir souvent. Ouais, je sais pas s'il drop un truc intéressant.
Et même si c'est le cas, il doit avoir 0,1% de chance qu'il drop le truc. Comme dans Suikoden, c'est un peu la blague aussi, ça. J'ai reçu 8750 potes, c'est quand même pas mal, ah ouais, ça. Ouais, du coup, ce perso, ils doivent être pétés au niveau de l'XP, j'imagine. Mais comme il doit pas repopper très souvent. J'ai l'intuition que le camp doit être au nord, non? Qu'est-ce que t'en dis? On a dit le nord. C'est le nord. Je crois que c'est au nord. Le gars, il a fait le jeu 50 fois, il sait pas si... Ça fait longtemps. Elle doit dater 2 ans, ma partie de Suikoden 2. Ouais, c'est vrai que ce genre de forêt, c'est... Tout se ressemble. Ça commence à ramer, j'ai l'impression. Vite fait. Non, c'est fou. Non, ça va, ça s'est calmé. Vérifie quand même, parce que... Ah, le revoilà l'autre là, le bestiau. En fait, c'est un personnage qui se déguise en... Oh, je sais pas quoi d'ailleurs. En nounours. Et par contre, j'ai l'impression que c'est beaucoup, non, de recevoir 8000 poches là. Bah ouais. Bah c'est que il donne beaucoup celui-là. Bah, j'ai 199 000. Donc voilà. Pourquoi tu redescends? C'était fini, c'était fermé, hein? Non, mais je veux d'abord explorer toute la zone du sud parce que je pense. Oh là 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 là. Ouais, je vais ramasser tous les objets. Après, je crains sinon qu'on va. La communauté veut que tu rushes le jeu, sinon, pas de bon. Non, je vais hooperiser mon let's play. C'est moi qui dis ça, quoi. Le monsieur farmer, quoi. Ouais! Oh putain, c'est vrai qu'il y a des vidéos, des fois, je farme pendant 5 heures. sur une seule map, quoi. C'est un peu hooperisant, oui. Ça doit être passionnant à regarder. Surtout à 5h du matin, quoi, le truc. C'est vrai qu'il est pété, le loup, là. Il fait autant de dommages que le Humphrey. Eh oui. Et je crois qu'il a pas le même niveau, hein. On vérifiera. Bah, le seul truc, c'est que tu peux pas l'équiper. Mais comme il est déjà fort, pas sans être équipé... Ah ouais, il est puissant. Il est super rapide en plus. Donc il est pété. Il est rapide et puissant. Salut Django. Coucou. T'as tonton qui se perd en cherchant un coffre qu'il a déjà pris. C'est un concept. Ah bah quand même. Bah non, le gars, des non. Des lapinous avec des guillotines en main, quand même, attention. et un truc de ninja, tu sais. Un martifouette, Jean-Pierre, le martifouette. Ceinture force, ça peut être sympa, je crois, de mémoire. Mais... C'est plutôt un objet, je crois. Ouais. Ceinture, enlève ton jus d'épinard de chiasse, là. Bah. Mais on s'en fout, c'est une merde, ça. Ah, voilà. Bah voilà, tu vois, gauntlet, ceinture force. Ouais. Ça me met 6 de prot en plus. Comme ça, quand je vais à la salle, j'ai déjà mes protéines. Boum. C'est bien le mode auto quand même, hein. Je suis sûr que toi aussi, t'es un fan. Bah oui. Puis au bout d'un moment, t'en as marre et tu fuis après. Non, tu fuis pas forcément. En fait, tu peux même pas fuir dans le jeu. Faut te faire des pots de vin, faut donner de la thune. Ouais, non, je sais pas. Enfin, tu peux faire les deux, je crois. Je suis plus sûr. Je crois que tu peux fuir ou donner des pots de vin. A voir. Oui, c'est ça. Tu fais l'un ou l'autre. Ah, voilà l'autre qui donne des. Attends, je vais sortir de cette forêt. Je vais être milliardaire. Pourquoi par 4 alors que c'est la 6, tonton? C'est Django qui demande. Pourquoi par 4 alors que c'est la 6? Je n'ai pas compris la question. Bah, il dit que t'as live, t'as fait déjà 5 parties déjà, donc ça devrait être la 6. C'est la 6?
Ouais, je... après, s'il compte celle que t'as annulée tout à l'heure, ça compte pas. Hein. J'ai pas suivi, hein. J'ai pas regardé où t'en étais au niveau des parties. Attends, je regarde. Mais je crois pas, je crois pas. Et puis personne ne se souvient de la numérotation, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. C'est de la merde. Je remettrai de l'ordre à plus la tard. La numérotation, c'est pour les touristes. Bon, je pense que c'est bon pour la zone du sud, là. On va... Ah oui, c'est vrai, en plus. Il a raison. Bah, je vais vous dire, j'étais persuadé d'avoir fait que 3 parties sur ce truc. Mais non, t'en as déjà fait 5. Putain. Ouais, il a raison, en plus. En plus, t'avais fait... T'avais précisé que c'était en FR. Et là, tu l'as pas marqué. Le P, il était en majuscule. Et là, il est en minuscule. C'est pas très professionnel, tout ça. Mmh. Aïe, aïe, aïe. Ça s'appelle faire un live à l'arrache. Comme je les aime. Bah non, écoute. J'ai mis la bonne partie. La bonne numérotation. Ouais. Et la bonne nomenclature. En chiffre belge. Mmh. Tout est ok. Alors. Bon, on va monter dans le nord, justement, là. Ça devrait être ok. Hein. Mais c'est vrai que t'as beaucoup de combats. Hein. C'est vrai que mais moi, ça me fait pas peur. Enfin, c'est vrai que les gamers disaient que c'est chiant, le... Tu sais, les combats aléatoires. Non, mais moi, je sais pas. Ça me gêne pas tant que ça. L'habitude, j'imagine. Bon, toi, t'aimes bien, plus ça se répète, et plus t'adores. Ouais. Après, ça dépend de la musique. Mais c'est vrai. Ah, t'as encore une armure de cuivre. Faut que tu t'en débarrasses, tu vas être full après encore. Alors, dans objet peut-être. Et tu vas objet et tu peux. Je crois que tu peux t'en débarrasser si tu cliques dessus. Ouais, tu vois. Ouais. Drainage, bon. Soin HP, coup critique. Recette, ça on va les garder. Ouais, ça tu peux garder. Jus d'épinard, par contre, c'est de la merde. Hein. Guérie de ballon, c'est un. Bah, ça gagne. Ça guérit de 300 quand même. Oui, sauf que ça te cause, je crois, confus ou je sais plus quoi. Ah, donc c'est horrible en fait. T'as de fois un malus. Et ballon, en fait, c'est un malus. Parce que quand tu te fais attaquer par certains ennemis, ils te foutent un ballon. Et si tu restes trop longtemps, enfin, si tu les tues pas assez vite, tu t'envoles en fait avec le ballon. Donc tu sors tu sors du monde. Enfin, tu sors du combat. C'est génial. Mais t'es pas mort, mais t'es juste. C'est à façon du. Comment il s'appelle? Chocobogre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Comme le gros serpent là. C'est ça, c'est ça. Ou le Midgar Zolom. C'est ça. C'est ce qu'il fait, non? Et tu t'es pensé exactement à ce personnage là. Pourtant, y a pas que lui, mais oui, il en fait partie. L'arme Ruby aussi, je crois qu'elle fait ça. Ouais. Dans chaque FF, je pense que t'as un boss qui kick comme ça. Bah, là, t'en as deux en l'occurrence, mais oui. Les Bellamels dans FF9 le font aussi. Les petits moutons, là, ils peuvent te kick dehors, c'est leur pire attaque. Je m'en souviens plus. Mais ouais. Dans le 8, je sais plus. Dans le 9, tu as. C'est une bonne question. Parce que dans le 8, il y a un personnage, un boss qui éjecte automatiquement tes personnages. Je suis plus trop sûr. C'est pas le Minotaur ? Oh, peut-être. Je sais plus. C'est possible. Honnêtement, je suis plus trop sûr. On va passer sur le côté. C'est la même chose. Ah, bah, on y est. On a récupéré deux coffres. J'espère qu'il n'y en avait pas 3. On s'en fout. Bah, oh, comment ça ? C'est pour récupérer de la chiasse en même temps. Ça dépend ce que c'est aussi. Bah, vu que je suis complètement pété au niveau. C'est clair que les équipements récupérés à ce stade sont peut-être en dessous de mes capacités. En plus, je pense que durant le passage là, dans le royaume interdit, j'ai acheté des uniformes, des pièces d'équipement là-bas, qui sont beaucoup plus avancées. Si tu veux, je peux regarder les objets que tu étais censé récupérer. Attends. Tu peux toujours. Pourquoi part 4 alors que c'est la 6? Ok, la 5. Le dracoon comptable ne valide pas les comptes. Bah, je regarde pas mes propres vidéos, bah, bien sûr que non. Par humilité. Nous devons mettre les uniformes maintenant. Ainsi. Ouais, t'as que deux objets.
Ah non! T'as pas récupéré l'armure de dragon. T'as raté l'armure de dragon, c'est con. Bah, c'est peut-être pas encore foutu, hein. Je peux peut-être encore y aller. Oui, bah, je suis pas sûr. Hein. Et En c'est bien fait, l'armure de dragon? bah, vu le nom. Après, je peux pas vérifier là. Il n'y a pas marqué ce que c'est exactement. Nous Mais n'avons pas j'imagine. vu leur réserve. Interdit. Après, on s'en fout, tu vois. Enfin, on s'en fout. Après, c'est comme tu veux. Tu vas pas recommencer. Hein. Faut jamais avancer sinon. Hein. Enfin, c'est comme tu veux. Non, je m'en fous. Ouais, là, je peux pas voir les armures. Moi, du Enfin, moment c'est... que je récupère toutes les 108 étoiles en first try, ça me Ah. dérange pas. Ça y est, ça recommence. Je croyais que vous étiez obligé d'avoir une solution pour ça, hein, je te rappelle. Peut-être que Ouais, je l'armure. pense. C'est Benji, ouais, ça va. Ouais. En fait, on peut pas Oh. rentrer dans les tentes, très bien. Là, c'est peut-être là l'armure du dragon, tu vois le. Non, mais il y a un truc à récupérer là-dedans. Mais c'est pas l'armure de dragon. C'est un truc à base de feu. L'objet à droite. À droite, t'as un truc, t'as un coffre à droite. C'est ça, c'est peut-être ça, hein. Non, c'est autre chose, ça. C'est, je cite. Nous nous Le vengerons. sceau de feu. Bon, j'espère qu'on va pouvoir récupérer ce coffre, hein, justement. Là, c'est quand tu vas pouvoir réutiliser les persos, tu pourrais y aller, je crois. Bah, à droite direct, je pense. Enfin, dès qu'il. Ah. Bah, c'est après, là. Elle était pas fut-fut ce garde, Loul. Ils en ont que pour 2 semaines. Je pense que l'armée Highland a prévu d'en finir vite fait. Partons vite avant d'être démasqués. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Ils ont empoisonné les réserves, c'est ça, Loul? Non, c'est pour faire la guerre. En fait, ils savent pas s'ils vont attaquer tout de suite. Et en fait, si. Ça veut dire que si. Ils vont pas attendre, ils vont pas rester pour me planter là pendant longtemps, quoi. C'est ça que ça veut dire. Ils vont foncer dans le tas. Et là, tu peux pas bouger encore, là? Là, tu peux bouger? Retourne Ouais. au coffre, ouais. Voilà. C'est ça, saut Saut de de. feu. Alors, on va voir ce que c'est, si c'est bien. Non, c'est un. Oui, enfin, tu peux le voir là, tu me diras. C'est un rune. C'est une rune, tu sais, c'est une matérielle. En bas. Annule le feu ou Annule dommage. le Ah oui, feu. en gros, tu peux. Quand tu te fais attaquer par du feu, ça fait rien. Par contre, si tu te fais attaquer par des attaques d'eau, ça te fait deux fois double. On est Enfin, fois d'accord deux. que. Parce que là, du coup, j'ai oublié avec 2 mois de passer. Les matériaux, il faut les équiper dans un magasin spécial, non? C'est ça, hein? C'est ça, c'est ça. On peut pas l'utiliser maintenant, quoi, du coup. Non. On va aller chez la princesse. On va lui faire sa fête. Petit plan à 3. Ah bah voilà, là il veut bien rentrer. Mais pas dans les autres tentes, quand même, ça c'est abusé. Parce que c'est la princesse, c'est le scénario. Gilia. C'est la tante de la famille royale. Nous n'avons pas le choix. Il faut les triper. Faut faire un plan à trois, on n'a pas le choix. Pourquoi est-ce qu'elle cacherait des espions? Ça n'a pas de sens. Elle est tombée amoureuse de Joey. Déjà? Là, je suis. Bah oui. Enfin, en tout cas, elle est tombée sous son charme. Parce Deux qu'il espions. lui a pas, il lui a parlé. Tu te souviens pas au début, dans les Ah premiers lives, il allait lui gueuler dessus là. Il lui a dit ouais, c'est des salauds, machin. oui. Deux espions de l'État se sont introduits dans le camp et tu vas pas nous spoiler. Hein. Pardonnez-moi, mais je vous demande la permission de fouiller cette tente. C'est pas C'est du spoil. inutile, allez-vous-en. C'est juste une suppo... enfin comment dire une C'est du spoil. Je vous promets que ce Mais sera vite non. fait.
Je vous remercie, soldat. Je voudrais rester seul. Mais si par hasard, sortez d'ici. C'est une déduction. C'est une déduction, c'est pas du spoil. Sortez, Jean-Marc. Je vous demande de partir à l'hôpital Velpeau. Jean-Claude, Jean-Claude. Souhaitez déranger les appartements privés d'une dame? Je vous demande de me pardonner de vous avoir dérangé, princesse. Je Au vous revoir, merci. demande de vous arrêter. Sortez, Jean-Marc. C'était assez bien, monsieur l'espion. Nous vous avons surprise, pardonnez-nous. Ah merde, je regarde le YouTube, moi. Pas pratique tout ça. Que voulez-vous? Je vous en prie, n'ayez pas peur, puisque vous ne vous pouvez pas partir tout de suite, j'ai servi le thé, Loul. J'en veux pas. Ils vont jouer à la dinette maintenant. Y a pas de pain, monsieur Xeno. Tout simplement parce que j'ai demandé à Moro de ne pas spoiler. Non, moi je mange que de la charcuterie et du fromage, pas de De thé. la mimolette. Ouais, et de l'époisse. Pourriez-vous poser le couteau que vous tenez ou bien est-ce un comportement normal dans la ville-état, Loul? Il veut être planté. Nous nous sommes déjà rencontrés à Kiaro, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il raconte quand Je me quand il souviens, veut vous avez à gueuler peu dessus. près dit ce pays nous a trahis, je ne leur pardonnerai pas. Alors, et maintenant, vous n'avez toujours pas pardonné? Non, Xeno, c'est une illusion, une hallucination collective, c'est-à-dire, je sais qu'un jour je le ferai. Qu'est-ce qu'il faudrait dire? De toute façon, ça n'a pas trop d'importance. Tu fais ce que tu veux. Tu peux faire une Namoro sinon. Qu'est-ce qui est-il arrivé à cet esprit vif que vous aviez alors, Loul? Princesse, que faites-vous ici? Mon frère, Lucas Blight, vous le connaissez? Ah, mon Lulu! C'est un monstre hideux. On va foutre un peu le gaz dans leur couple dès le début. C'est un monstre hideux. Non, il a tout à fait raison. Ah, voilà. Je suis sa jeune sœur et quelquefois je ne le comprends pas. Mon frère essaye d'étendre cette guerre, alors que la plupart des gens de Highland sont fatigués de la guerre. Et aussi mon frère a des plans vraiment diaboliques. Jusqu'à présent, j'ai toujours pensé que je pourrais l'arrêter, mais cela semble impossible. À présent, il ne m'écoutera point. Pour lui, je ne suis rien d'autre qu'une ennemie. Une ennemie, ah vraiment? On dirait que je n'ai pas le pouvoir d'arrêter mon frère. J'ai commencé à comprendre que, en tant que princesse et en tant que femme, mes actes sont limités. Mais non, c'est pas sa femme, c'est sa sœur, ça suit pas ici. Hein. Et il a pas de femme, Lucas. Mon Lulu. Mon Lulu. Putain, on a vraiment une audience de consanguins, quoi, je te jure. Ah Je m'excuse d'avoir parlé si longtemps, le thé est froid. Bah tais-toi alors. Dehors, c'est redevenu calme, vous voulez peut-être partir. Vous avez raison, le thé de déjà. On va quand même se montrer civilisé. Adieu, je ne pense pas que nous nous reverrons. Merci. Et surtout, au revoir, hein. Au revoir, merci. C'est normal Ça au me dégoûte. Japon. Ça me dégoûte. Mais on t'a dit qu'ils ont pas baisé. Faites pas les petites, les fines bouches. Hein. Ah, ça y est. Connaissez le dicton, hein. Ah, le lot de con, là, il s'est réveillé encore. C'est ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais, Nicky Larson. Je m'en doutais. Je savais que la princesse était opposée au seigneur Lucas. Aussi, j'ai continué à guetter et vous en êtes bien sortis. Préparez-vous, espion. On va C'est vous vrai qu'il faire fait vraiment bobo. ce genre de méchant, je trouve, ouais. Nous avons des ennuis. Cette fois, vous n'échapperez pas. Tuez-les. Attrapez-les tous. Allez, on va leur casser la gueule. On va s'unir, hein, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est. C'est OK. Et le one shot. Au revoir, merci. Ouais. T'as vu El Talento en action là? Au revoir. Mais lui, je crois qu'on le. Je sais pas si on le combat vraiment. Ah ouais, je veux que tu cours. S'il nous attrape tous les deux, Nanami, qui nous attend aura des ennuis aussi.
Bah moi je ne veux ça, pas. Ça veut rien dire. Ouais, je veux pas. Ah là, c'est là où tu peux faire des combats d'affilée, je crois. Ah non, pas encore. Ah non, non, je croyais. Ah, c'est là qu'on se sépare. Et t'as vu, il l'a fait naturellement, toi. C'est un bon membre. Il a farmé sans que je lui demande. Il l'a fait ça naturellement parce qu'il a été. Il a été. Comment dire? Il a été influencé. Il a été influencé. Il a été. Il a eu bonne formation du farm. Aïe aïe, pauvre Joey. Mais au moins, on n'aura pas laissé sur lui des pièces d'équipement précieuses. Ouais. Il est bien imprégné en profondeur par son amour. Ah putain, là, ça y est, ils sont réveillés au chat, dans le chat. Quoi. Ça y est, on les titille un peu, c'est parti. Hein. On va jouer Namoro. En mode. Ouais, quand tu choisis cette réponse, t'as un combat de plus, mais on s'en fout un peu. Bah, ouais, surtout que ça fait pas beaucoup de témoins. Et voilà, voilà. Je me demande si je peux continuer à ne rien dire à Nanami, loul. Que s'est-il passé? Où est Joey? Que lui est-il arrivé? Ah oui, c'est vrai que tu peux faire ça. Du coup, tu peux farmer comme ça. En fait. Je sais pas si ça... Ouais, c'est ça. À chaque fois, bah voilà. T'as beaucoup de séquences comme ça dans Suikoden 2, où si tu fais un choix différent que ce que veut le jeu, quoi, en gros, et bah ils te foutent des ennemis de façon illimitée, quoi. Donc du coup, tu peux farmer comme ça. De façon... comme là, comme dans cet exemple. Bon, ça sert pas à grand chose parce que il drop rien en plus, il drop pas d'objets et bon l'XP c'est pas terrible, mais bon, ça peut être utile si tu trouves que t'as pas assez de niveau. Après peut-être qu'il drop quelque chose, mais pour l'instant. Ah ça y est. Ouais, à un moment donné on va arrêter. T'as fait l'autre réponse, là. Oh non, Joey. Oh non, Joey. Alors, tourne dans la forêt. Ah oui, pour le coffre qu'on a raté. Mais je sais plus, les... T'es sûr que c'est là? C'est pas bon. Ah, l'armure du dragon, tu m'as dit. Oui, je crois qu'elle est avant, elle est pas là. Là, tu reviens directement. Enfin, je sais plus. Non, non, là, je suis près de la porte, hein, là. La porte de sortie? Ah oui, la porte de la zone, tout début, il est là. Ah oui, t'es au début là. Oui, d'accord. Okay. Donc, bah alors, oui, t'as raison. Oh là là, ça donne des fausses informations. Si tu peux aller très loin. Hein. Moi, je sais. Pourquoi est-ce que j'ai cette espèce de soin sur mes personnages? Là, c'est un auto-soin? Oui, c'est un équipement que t'as mis, ça te soigne en même temps. Tiens. Je crois que c'est badge quelque chose. T'es sûr que t'étais pas allé à gauche plutôt? Une fois que c'est pas assez à gauche, t'es pas allé. Mais non, fais-moi confiance. Fais ta confiance. Homme de peu de foi quand même. Hein. J'adore son style, celui-là. Le lion qui se déguise. Ouais, on dirait une espèce de tortank sans le canon. Oh, y a trop de combats. Ça va être long et dur. Vous voulez du farm, hein? Bah, c'est ce que vous allez avoir. On va vous en donner. Ouais. Et je vais le trouver, ce coffre. Bah, en tout cas... Il me le faut.
Celui-là, mais on tu l'a. reviens où on était déjà, je suis sûr que c'était à gauche direct. On n'écoute pas son amoureux comme ça. Comment ça, à gauche direct? À gauche direct, c'était à gauche direct, je suis quasiment sûr. Tu reviens. Oui, enfin, comme tu veux. Vas-y, vas-y, fais tes combats. Tu verras que j'ai raison. Bon, dans deux. Mais t'as fait. Ah. T'as, c'est pas la première fois qu'il nous donne des fausses infos, hein, le mec. Quoi, des fausses infos? Bah ouais, tu sais même pas ton propre jeu, tu le connais pas. Bah non. En démo, on peut avoir confiance, on peut avoir toute confiance. Bon, qu'est-ce que tu racontes encore, ça à gauche direct, ça veut dire quoi? Fallait tout bah, par là-bas? Quand t'es arrivé à un moment, tu pouvais aller à gauche direct, t'as dit non, je suis sûr que c'est à droite. Bah à droite, on connaît déjà. Mais j'ai déjà été à gauche. Il a, je suis pas ça, sûr, hein. Ça a pas suivi, bah si, moi je sais. Moi je suis sûr. Bah, je m'en souvenais plus. Oh là là. Là, à gauche là, t'es allé ouais. Déjà là. Mais déjà, regarde pas sur YouTube, hein. Regarde sur. Ah oui, je regarde sur YouTube. Oh, merde. Oh là là là. Ah merde, alors, c'était pas là. Quel vieux troll, putain. Bah, au secours. Bah, ça te fait du farm, c'est la vie, du farm. Faites attention quand même. Armure de cuivre, loul. Ouais, ça faisait longtemps, tiens. J'en veux pas. Allez, ça c'est poubelle. Donc on est déjà passé par la gauche, hein, au cas où t'aurais pas suivi. La dernière gauche, là, on l'a déjà prise. Donc. Cette fois-ci, c'est bon, hein. Bon, ça farm, mais les ennemis sont très faibles ici. Hein. Ou bien c'est moi qui suis trop fort. C'est possible aussi. Ça mène au même endroit. Tout mène à Rome. Ce qu'on va faire, on va redescendre un peu, mais pas trop sur la droite. Je sais pas. Ça va être long et dur. On va essayer de le trouver sur un coup de bol. Si ça marche pas, on zappe, hein, les gars. On va pas se rendre malade pour une vieille armure dragon. Sinon, quels sont tes prochains jeux là que t'as envie de faire en ce moment? Bah rien du tout. Ouais bah je t'ai vu. 3, on t'a vu sur ah, Slay the Spire, bah oui. Côté, tu veux bah dire oui, de bah... mon côté. Ah oui, je crois que tu parlais de. D'Echo, non ouais. Oui. Ah, de mon côté. Bon écoute, on va partir parce que j'en ai ras le bol de cette forêt. Je sais pas trop. Mais tellement. Tellement de jeux. Bah, j'essaye de finir Borderlands 1, enfin le deuxième run. Super Robotation 30 aussi. Peut-être par le haut? Non, on peut pas. Ok, bah très bien. C'est le moment où on va attendre ce bon vieux Jojo, mon Jojo, ouais. Amuse. Comme des cons, ouais. Ah si, Joey ne nous a pas rattrapé. Que faisons-nous? Allons voir Jess. Bah moi, si j'ai l'occasion de ne pas devoir attendre Joey, ben j'irai. Ah tu vas pas le faire? Ça c'est culte ça quand même. Le coup t'attends sur le mur, tu sais. Bah, après, on n'est pas obligé de le faire. Hein. Non, mais d'abord il faut aller voir Jess. Non mais il faut aller voir Jess d'abord en fait, avant que cette scène se trigger, je pense. Ouais, je sais pas du tout qui est Jess. Ça m'avait marqué cette. Bah c'est l'autre con là, tu sais, c'est le gamin qui t'a envoyé là. Et qui va faire oh c'est pas moi, après il va faire genre c'est pas moi. Non, je vois pas du tout. C'est. Ah c'est dedans, c'est dans le. C'est dans le. C'est chez les. Chez la chez le maire? Ouais. C'est lui qui t'a envoyé, c'est. Tu sais, ça peut être Jess. Ah oui, Jess, c'est un des personnages qu'on peut recruter d'ailleurs. Ouais, il me semble, ouais. Mais pas tout de suite maintenant. Pourtant, c'est un sale connard. Ah, voilà, non. Oui. Bah, comment ça? Il y a une réunion importante aujourd'hui, impossible d'entrer. On reviendra demain? Voilà, alors. Ah, ouais, tu les vois.
Cet espionnage industriel, quoi. Ouais, celui de droite, c'est un perso qu'on voit bien plus tard. C'est un black, non? On peut le recruter aussi, sinon. Ouais, ouais, ouais. Il est assez puissant. Bah, du coup, il faut aller dormir, j'imagine. Tu vas voir la... Ah! Non, bah non. Ouais, c'est... Regarde les livres. Je me demande s'il n'y a pas un truc à récupérer dans les livres. Ah, voilà. Et du coup, ça va te bloquer ton inventaire encore une de plus. Hein, plus hein. C'est un peu con, mais c'est comme ça. On donnera tout à Barbara un peu plus tard. Bah, mais faut la trouver, quoi. Impossible de voir Jess ou Annabelle. Que faire? Victor et les autres sont là. On va attendre Joey devant la ville. Ah, c'est là. C'est cette scène. Une scène, ouais, qui m'a marqué. Enfin, c'est moi qui ai inventé la dernière... Elle a pas dit qu'on allait attendre Joey, mais je pense que ça va être là. Ce serait pas cette meuf à qui il faut parler? Non, non, je crois qu'en sortant, ça va le faire. Sort de la ville, je pense. Non? Ah non. Ah bah je croyais. Pas encore. Alors c'est quand qu'on l'a fait? Bah je sais pas. Ah bah non, si. Attends, reviens. Reviens. Reviens, il longe le mur, je crois que c'est ça. Ouais, regarde le stream, regarde pas. Je te regarde Discord. À droite, non. Non? Non. Ah, je sais plus, je me souviens plus. Oh là là. Ah non, mais c'était bien ça, je crois. C'est juste que t'es pas allé. Enfin... Ah, mais c'est non, là. Il faut venir ah, bah là. C'est là, c'est là. Oh, c'est là. Je jure, c'est calamiteux avec ce modo en carton, tu sais. Ce spécialiste du jeu en carton, quoi. Ryu, ça va? Leda nous a dit que c'était passé. Ce qui s'était passé. On s'est fait du souci. Oui, oui, moi, ça va, mais Joey... Il a trépassé. Ah oui, il n'est pas là. Que est-il arrivé? C'est-à-dire... Comment? Alors, ils ont capturé Joey. Hein? Eh bien, je ne sais pas. Joey a dit... Il a dit qu'il nous suivait. Que les a-t-il forcés à faire? Nous allons voir Jess pour savoir ce qui s'est passé. Mais Jess n'est pas là, et on ne nous a pas permis de voir Annabelle. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer un bon truc. Ah bah, Victor et Flick, on rejoint le convoi. Là, Victor, il est pété, et Flick, il est assez... Il est équilibré, on va dire. Parce qu'il fait de la magie autant qu'il est assez puissant. Enfin, relativement puissant. Faut se dépêcher de partir, ok. On va chez Annabelle, je pense. Ah, bah par contre, on va quand même sauvegarder ici à l'auberge parce que je pense qu'on peut le faire. Voilà, sauvegarder les données. C'est quand même sympa. Il était temps qu'on le fasse. 12:57. On va sauvegarder là-dessus, sur 5:45. Et on s'arrête à 5h55, au fait, hein, c'est ça. C'est ça. Mais comme t'auras pu le voir sur le... Le chronométrage de la partie, on est déjà à 12h et quelques, donc on a déjà dépassé, donc on peut arrêter n'importe quand. J'ai pas vu ça. Ouais, je suis à 15h de jeu, là, un truc comme ça. Alors, je pense que maintenant, Victor va nous faire rentrer. What? La seule façon d'agir avec les fonctionnaires. Allez, on rentre. Malot de con. Jess, il a quelque chose de menaçant ce personnage, mais je sais pas ce que c'est son problème. Victor et Flick, qu'y a-t-il? Pourquoi êtes-vous si en colère? Dis donc, vous, c'est vrai que vous avez envoyé Ryu et Joey dans le camp de Highland pour épier? Attendez, ne vous fâchez pas. Oui, je le leur ai demandé. Et maintenant, lâchez-moi.
Annabelle, je ne vous connais pas beaucoup, mais je ne vous aime pas beaucoup non plus. Non, pardon. Mais l'État en est-il, est-il en si mauvaise posture que nous devions envoyer des enfants comme espions? Je leur ai demandé car pour vaincre l'armée Highland, nous devons savoir combien de provisions ils ont. Combien de provisions ont-ils au fait? Environ 2 semaines à peine, je crois que c'était ça hein, le truc. Il faut sauver Joey! Ah, Joey ouais. Va bien se sauver tout seul, va. Merci de ces précieux renseignements, pardonnez-moi de vous avoir exposé au danger. J'ai peur de ne pouvoir sauver Joey. Nous avons assez à faire pour protéger la ville, alors au revoir, merci. Salut toi, Toine. Et bonsoir au toi, Toine. Mais. Ryu, Nanami, restez là à bavarder, ne va pas nous ramener Joey sain et sauf. Deux semaines. Cela signifie qu'il projette un assaut rapide. Nous allons préparer une stratégie à la conférence de Hilltop. Merci, Ryo. Ça fera 500 balles, connard. Pourquoi vous? S'il vous plaît, du calme, pas de violence. Namoro, on a dit gentil, hein. Alors, comment osez-vous, mercenaire, pour sauver Muse? Il nous fallait ces renseignements. Et Annabelle souffre par ta faute, Namoro. Quoi? Arrêtez, Jess. Faut que je prenne ce scénario plus au sérieux. Victor, des mercenaires comme nous n'ont rien à dire sur ce qui se passe ici, j'imagine. Rentrons. Non, parce que ce qui est con, c'est que parfois, quand on zappe les dialogues sans réfléchir, après, tu te retrouves à plus savoir où tu devais aller, en fait. C'est chiant. Ouais. Ça, c'est un truc typique amoureux, ça, d'ailleurs, entre parenthèses. Ouais. Je suis désolé. Non, peut-être. Ryu, si nous avions été là... Je me demande si Joey, il va se débrouiller, c'est sûr, il reviendra. C'est Joey, il se débrouillera. Bon, ouais, j'attends Joey à la porte. On l'attend à la porte. Ben moi, si j'ai l'occasion, j'irai pas. Bah, je sais pas. Je crois que je suis obligé. Je sais pas si on est obligé, ouais. Bah, si tu dors direct, va voir l'aubergiste et va dormir. Ah, peut-être. Peut-être qu'il va rien avoir, du coup on va rater la scène culte. Le test, c'est que sans potes, au pire, même si c'est pour rien, ça permet de voir. Ou... Après, t'as Joey qui va arriver en mode. Ouais, en foireuse. Ouais. Ça va, tu dors bien? Bah, non, en fait, on dirait que ça a rien fait. Bah, il a peut-être dormi 30 minutes, tu vois, genre. Bah c'est ça, t'es obligé d'avoir la scène. Bah elle est pas mal hein, franchement elle est pas mal. Ils sont fait chier quand même. Je vais attendre encore un peu, Ryu. Rentre ouais, donc alors, chez lui en te reposant. Normalement, tu peux aller jusqu'au bout en fait. Ça te permet, je sais plus ce que ça débloque, mais ça débloque quelque chose si t'attends jusqu'à la fin. Et après tu peux annuler et tu peux ouais tout de suite rentrer. T'as tout à fait raison, toi Toine, Namoro ne devrait pas dire des grossièretés à une heure de grande écoute. Hein, 23h54, c'est pas digne du service public. Bon, s'il revient, je reviendrai trop le dire, mais je pense que... Ouais, tu vois. Au revoir. Là, tu fais... Normalement, tu fais pas ça. Personne fait ça. Mais bon, pourquoi pas. Ça change. Ryu, je te l'avais dit, que tout irait bien, tu dois être fatigué. Tu devrais te reposer. Le mec qui en a, mais rien à foutre, il s'en bat les steaks, quoi. C'est ça. Tout ce que je veux, c'est une blanquette de veau et au dodo. Hein. Tu t'attendais toujours, tu devrais écouter Victor et être reposé. Ah, il a attendu ouais, dans l'auberge, en fait. C'est ouais, bizarre. Voilà, c'est ça. Mais normalement, c'est sur le mur, ouais. Enfin, si tu suis le truc. De toute façon, si c'était une question d'améliorer les relations avec Joey, bon... On s'en fout. Oui, on s'en bat les couilles, mais je crois que ça peut changer quelque chose pour tu sais quoi, enfin, pour la fin du jeu, quoi. Je pense que ça doit changer quelque chose, je crois. Peut-être que c'est une fin où on peut torturer tu sais qui, parce que t'auras démontré tout au long de l'aventure que tu avais pour lui une haine féroce.
Ah ben voilà, il est revenu, Ryu. Comme je te l'avais promis. Ah, comme tu vois, Joey, j'étais très inquiet. Cette attente m'a fatigué. Loul. Le truc à peine passif-agressif, quoi. Je vous l'avais dit, non. Je savais que tout ira bien. Tu vois, c'est pas moi, c'est Xexé, en fait. Mais what? Non, mais c'est quoi ces options de dialogue complètement frigides, là? Je sais que c'était dur, mais ça fait déjà une semaine. Arrête de faire la tête. Allez, partons. Partir. Un jour, sans retour. Quelques jours se préparent à Joyston Hill. Les gens sont venus de partout. Est-ce un festival? Peut-être quelque chose du genre. Allez, allons voir. Eh bien, ça va, Ryu? Non, on y va. Nanami nous a rejoint. On est à 3. Par contre, est-ce que j'aurais monté le Joey aussi? À fond, là? Non. Ah si, niveau 38, le Joey. Bah oui. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Bah parce que quand t'es allé voir... quand t'es allé... Bah, tu sais, quand t'es allé dans la montagne avec les dragons, t'avais Joey dans ton équipe. Ouais, j'ai farmé avec Joey dedans. Bah oui. J'espère que ça va pas l'endurcir et le rendre plus fort en tant que... Enfin, non, tu sais. Ça change rien. Ça, il faut rien spoiler pour nos auditeurs. Tu te débrouilles tout seul hein, pour le spoil. Ah bah non. Non mais je dis ça pour moi, je dis ça, je vais rien dire. Ouais, toi, les Ryubur t'étaient détruits. Engueule-toi tout seul quoi, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Engueule-toi tout seul. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ah, à gauche. Ça c'est chiant parce que tu sais pas, tu peux jamais y aller et là tu peux y aller. Tu sais où le mec il bloquait? Bah là y'a personne, ça, c'est, tu vois, faut le deviner. Ça c'est chiant. Ah oui, Joyston Hill, ouais, on en a parlé en plus, c'est la petite colline. La colline a des yeux. La petite maison de la colline. Ils ont fait un petit paysage derrière, ça sera différent dans le remake. Là. Le remake HD, j'imagine que ça sera un peu mieux fait, mais... C'est pas trop mal hein, derrière. Bon ouais. Alors, tu es là pour la vue, toi aussi. Victor, qu'est-ce que c'est? Et la réunion des dirigeants de la ville état de Johnston. C'est Johnston Hill, donc c'est la conférence de Hilltop. Les dirigeants de 5 villes états muses de South Window, Green Hill, les chevaliers de Mathilda et j'ai oublié. Enfin bon, ça doit être intéressant. C'est bon, ne t'en fais pas, bien se passer. Tu pourras entrer si tu restes près de moi, c'est à voir. Tu pourras le raconter à tes petits-enfants, c'est sûr. Seules les personnes concernées sont autorisées au-delà d'ici. Je suis Victor, chef mercenaire, sous contrat avec la ville de Muse. Les autres sont avec moi, laissez-nous passer. Attendez un moment, il me faut une preuve de votre identité. Vous ne me reconnaissez pas, mon visage prouve mon identité. Désolé, vous ne pouvez pas passer. Comment ? J'espère que tu ne songes pas à utiliser ta bonne ruse à nouveau. Qui est-ce? Vous êtes vraiment Monsieur Flick? Oui, mais... Vous êtes le mercenaire, celui qu'on appelle Flick à l'éclair bleu. En plus, apparemment, Victor est meilleur que Flick à l'Orloul. Entrez, s'il vous plaît. Comment se fait-il que vous connaissez pas moi? Flick, il est meilleur en magie que Victor. Après, en force brute, oui. La conférence est par là. Je veux pas y aller, j'en veux pas. Par contre, je suis peut-être pas fan de ce thème. Loul. Moi, j'entends pas la musique, là. Moi, j'ai coupé la musique. Ah, tu la vois sur mon stream, non? Non. Tu regardes pas mon stream, ah oui, c'est ça? Si, mais je mets pas la musique. Ah oui, je sais pas pourquoi. Ouais. Sale type, que faites-vous? Salope pauvre. Pardonnez-vous, madame, je pense qu'il fait du zèle. Pouvez-vous nous pardonner? Non, enfin, oui.
Qu'est-ce que tu fais, Camus? Mon travail de chevalier, il y a un problème. Est-ce qu'on pourrait le recruter, celui-là? J'ai l'impression, non? Il y a une tête de recrutable. Bah oui. Camus. Un petit hommage au chevalier du Zodiac, peut-être? Ouais, je me souviens plus qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Camus. Un cocktail Miklotov. Dépêchons-nous, Camus et Traleur fait aussi partie du travail d'un chevalier. Joey, ouais, vous avez entendu? Il m'a appelé madame. C'est vrai que la musique n'est pas terrible. Chef des chevaliers de Mathilda et des chevaliers blancs. Hey, c'est parti! J'espère que le remaster des musiques sera bien aussi. Oui. Non, parce que la musique est bien. Hein. Ouais. Juste certaines exceptions comme celle-là, mais bon, s'il y en a une sur. Ouais, puis c'est pas non plus exécrable, hein. C'est pas terrible, mais c'est pas. Tu l'entends qu'une seule fois celle-là, tu l'entends que là, hein, il me semble. En tout cas, je me souviens pas l'avoir entendue ailleurs. Ouais, cette musique est ratée, mais c'est pas dramatique. Je déclare ouverte la conférence de Hilltop. Hilltop, ce qui est aussi un niveau de Sonic de Loul. L'armée Highland est rassemblée à la frontière, elle n'a que 2 semaines de provisions. Elle devrait donc attaquer bientôt. Un instant, agit-elle toujours en conformité avec le traité de Versailles? L'armée Highland a déjà envahi la partie orientale de Muse et rasé plusieurs villages par le feu sur leur chemin. Concernant cette affaire, Highland n'a-t-il pas répliqué à une ruse de bandits montagnards? Croyez-vous vraiment que l'armée de mercenaires de Victor a été écrasée par un groupe de bandits montagnards? Vous ne pouvez pas nier que l'armée Highland est massée à la frontière. C'est un fait et une menace pour la ville-état. Hauser, on dirait trop un personnage de Alien Loul. Sergent Apone, tu sais. L'armée. Le Black. Ouais, le Black, là, il ressemble un peu à Apone dans Alien 2. L'armée Highland s'est déjà approchée de la frontière sans attaquer pour autant. Pourquoi cela serait-il différent? Teresa, sûrement recrutable elle aussi. Le commandement de l'armée Highland est passé de Agares Blight à son fils, le prince Lucas. Voilà pourquoi c'est différent. Ainsi, vous ne pouvez pas quitter votre don de riz pendant 3 ans, mais vos mâchoires marchent toujours, je vois. What? Comment osez-vous? Quelle indignité. C'est exactement comme l'a dit Lord Gustave, ils vont courir au premier signe de combat. Je ne vais pas épuiser mes chevaliers à cela. Et aussi, les gens de Two Rivers sont fatigués par plusieurs batailles. Lucas Blight était plus démon que homme. S'il perce les défenses de Muse, l'État sera dans la confusion. Au nom du serment que nous nous sommes tous prêtés, je vous ordonne de fournir des troupes pour protéger Muse, capitale de la ville-État Jostum. Je n'ai pas peur de vos menaces. Qu'y a-t-il de bon à protéger Muse pour moi et mon peuple si le peuple de Tinto meurt de faim? Grande Meilleure, c'est un ordre au nom de l'État. Faites attention à ce que vous dites, Lord Gustave. Excusez-moi. Voici les nouvelles. L'armée Highland a massacré nos gardes à la frontière et on dit qu'elle se dirige vers Muse. Comment? Ils ont l'air sérieux. Vous avez tous entendu, je vous ordonne à tous de rassembler vos armées. Après, il faut qu'elle se calme aussi, celle-là, avec ses ordres. Parce que c'est de diplomatie qu'il s'agit. Pas simple de demander à un pays voisin d'honorer le contrat qu'il a passé avec toi. C'est peut-être là qu'on va voir notre première bataille en fait. Amoureux qui s'est barré. On a déjà eu une bataille. Ouais, mais c'était un peu en mode entraînement, non? Oui, c'est vrai, on faisait pas grand chose. Un groupe de vieillards qui parle de quoi? Ah oui, parle des politiciens. Alors chez Léona, au moins je sais où c'est. Ils auraient juste dû rajouter des bruits de pas pour le personnage. Ouais, un léger bruit de pas. Ouais, mais tu
balade tellement partout que bon, je sais pas, peut-être qu'ils ont fait ça parce que ça prenait trop la tête. Peut-être pas là, je sais plus. C'est ici. Quelle surprise! J'étais à la réunion, moi aussi, c'était dur, mais vous en êtes bien sorti. Oh, ça fait partie de mon travail. Personne n'adhère complètement, mais personne ne veut être détruit par Highland non plus. Alors qu'y a-t-il? Vous n'êtes pas venu ici pour une petite causerie. Victor, j'ai besoin de vous pour ralentir l'armée Highland. Il faudra 7 jours pour rassembler les forces armées de l'État. Mais l'armée Highland arrivera ici dans 5 jours. 2 jours suffiront, je vous en prie, 2 jours. On se bat hors de Muse et peut-être on les fait souffrir un peu. Oui, je crois que je peux vous donner 2 jours. Vous ne changerez jamais. Vous demandez des choses impossibles comme si ce n'était rien. Nous, tout seuls, arrêtez celui qui a Blight. Je compte sur vous, Victor. Et aussi, les chevaliers de Mathilda devraient nous envoyer des renforts très vite. Oh, s'il faut seulement les ralentir, je crois que je peux. Merci, beauté. Merci, beauté. Oui, c'est mon travail. Si en plus c'est une femme comme vous qui le demande, je peux pas refuser. Laissez-nous nous battre aussi. Joey, Ryu, j'ai fait une erreur en vous impliquant dans tout cela, pardonnez-moi. Mais vous en avez déjà assez fait. Ceci est notre affaire à nous, adultes. Non, on veut se battre. On vous aidera à ralentir l'armée Highland. Ryu, tu vas te battre aussi, non? Bien, je... bien sûr. Ne vous faites pas tuer. Après la bataille, revenez me voir. Je vous dirai tout au sujet de Maître Genkaku. D'accord, ouais, ouais. Eh bien, je dois rentrer. Victor fait du bon travail pour nous. J'ai confiance. Faites ma confiance. Et oh, et Nounou qui se plaint du bruit de manette. Oh là là. Je ne vous entends pas. Réveillez-vous, Ryu et Joey, tout le monde est dehors. J'ai déjà réveillé Nanami, en fait, j'ai pas pu dormir. Nanami a rejoint le groupe. C'est un peu un boulet quand même, Nanami. On va dire ce qui est. Bah, elle est un peu insupportable. Mais bon. J'espère qu'on pourra sauvegarder. Les forces d'avant-garde de l'armée Highland sont proches. Si on arrive à les battre, on aura fait notre travail. Nous n'avons pas à vaincre l'armée Highland entière. Si on peut les ralentir, ça sera suffisant. Mais n'oubliez pas que Muse doit être protégé et ne doit pas tomber aux mains de Highland. Mettez le paquet. Que tout le monde se prépare au combat. Nous partons dès que les préparatifs seront terminés. Ah, on y est, tonton. On est le grand moment. Le grand moment fatidique. Que tout le monde attend, surtout tonton. Le moment où tu me cassais les couilles tout le temps, quand tu vas t'aller sur mes lives, tu m'en parlais. Et ben on y est. Mais comment ça? Bah oui, bah comment ça? Je me rappelle pas t'avoir jamais embêté. Oui, bah je te dirai qu'on y sera bientôt là. On y est bientôt. Tu vas voir, tu vas comprendre. Parce que si là t'y arrives pas, c'est la honte. Hein. Comment ça, à quel moment? Bah là. On peut pas y arriver. Moi, si j'étais toi, je ferais une safe state. Moi, je fais pas des trucs comme ça. Bah, tu me casses pas les couilles alors, si t'arrives pas à l'avoir. Si j'échoue, ce sera ta faute. Regarde bien les personnages. Cette fois, il va en prendre pour son grade. Ouais, je sais, il y a Gilbert. Voilà, c'est Gilbert. Il faut l'affronter ou le tuer, c'est ça? Il faut l'affronter. Je sais plus s'il faut le tuer. Mais il faut au moins là. Attends, je regarde. Tu auras remarqué, Nounou, comme j'ai refusé habilement, avec beaucoup d'intégrité professionnelle, j'ai refusé la safe state. En gros, il faut que tu le blesses. Si tu t'as fait une safe tête, tu as vu.
Non, pas du tout. Ouais. Si nous pouvons battre l'unité de Solonji ou gagner suffisamment de temps, ils vont battre en retraite. Ça me choque que tu m'accuses. Ça me choque. Je t'explique. En gros, il faut que tu le combattes, mais si tu lui fais pas une petite épée, eh ben ça... Enfin, comment dire, tu l'auras pas recruté. Faut que tu l'aies au moins blessé un petit peu. Juste un peu. Gilbert, c'est lequel? C'est le mec qui est tout seul, là? Je sais plus où... Oui, c'est ça, c'est ça. Il faut que tu l'attaques le plus vite possible, mais faut pas que tu le tues, faut juste que tu le blesses. Non, non, qu'est-ce que tu fais? Flic de... Oui, là, tu peux pas, mais prends ceux qui peuvent se déplacer, là, le E, lui, là, oui, là, lui. Non, flic. Appuie sur flic. C'est lequel, c'est ça, flic? Non, en haut. Là. Là, c'est de là, tu peux pas les bouger. Ah non, tu peux pas, merde. Bah alors, celui de gauche, essaie de le faire le plus haut. Oui, j'ai compris. Oh là là. Bah, en haut, ouais. Essaye d'aller le plus haut, le plus vite possible en haut. Là. Faut le blesser avant qu'il se barre. Enfin, je sais pas s'il se barre d'ailleurs. Mais... Tu bouges des autres, sinon tu pourras pas. Tu pourras pas passer. Le dernier là. Espérons que tu vas y arriver, sinon il va falloir recommencer. On peut pas vivre sans notre Gilbert. Bah Namro, si vous voulez, historiquement, c'est qu'il il avait presque les 108 étoiles, mais il n'a pas eu Gilbert. Et donc ouais, il a eu la mauvaise fin. Ah, c'est Gilbert, regarde, il a reconnu Gilbert. C'est bon, ce bon vieux Gilbert. D'ailleurs, Gilbert qui a valu à Namro un rôle spécial sur Discord. Vous avez pas vu Gilbert. Voilà, donc il faut que t'ailles à sa rencontre et il faut que tu l'attaques. Mon Gigi. Au boulot. Mais comme t'as pas de cheveux, t'es pas sur des chevaux, ça prend du temps. Ouais, c'est chiant. Bon, au moins mon Gigi est tout prêt. Ah, ça y est. Faut qu'il vous faut... Ah non. Il se fait attaquer, mais c'est pas toi qui t'es fait... si, c'est toi qui t'es fait blesser. c'est pas ce que tu voulais, mais bon. On vient t'aider. Oui, c'est pareil, eux, ils sont automatiques. Alors là, c'est... là, il attaque ou pas? Vas-y, attaque, là, blesse-le. Ah putain. C'est automatisé ça. Oui je sais mais il aurait pu le blesser. Alors attends. Attends. Bah je vais l'attaquer là. Non, reviens en arrière. Oh là là. Va voir Joey, je vais vérifier un truc. C'est lequel Joey? Ils ont tous la même tronche. En bas, voilà. Clique. C'est pas Joey ça, c'est... Oui, enfin t'as compris, le héros je veux dire, pardon. Ouais. Il y a Joey dedans. Ouais. Encore. C'est lui qui doit attaquer en fait. Rune, fais rune. Bouclier de lumière. Tu peux. Alors ce que je t'explique, tu peux le soigner parce que si t'attaques là et tu te fais, si il riposte, il peut te tuer. Parce que si t'as deux épées, t'es mort. Donc si tu le soignes, t'as moins de chances de. Et comme ce qui t'intéresse, c'est Gilbert, moi je le soignerai direct, celui de là-haut là. Mmh. Ouais, tu veux dire mon soldat à moi, pas Gilbert lui-même. Ouais, oui, pas Gilbert, toi. Comme ça, tu pourras... Voilà, c'est bon. Maintenant, il est soigné. Maintenant, attaque. Comme ça, tu prends moins de risques. Ah, putain de merde. Bon, bah... Ça n'a pas marché du tout. Non, mais c'est pas grave. Continue. Va à gauche. Bah, tu utiliseras ta safe tête au pire. Hein. J'ai pas fait de safe state et d'ailleurs ouais. Ouais. On verra. Ah merde! Ah c'est chaud. Ah, ils ont riposté. Allez, vas-y, fais-toi blesser. Mais c'est pas vrai! Tu vois ça à quoi qu'il a été blessé ou pas?
Mais tu te vois, t'as une petite épée là, putain, t'arrives pas à la voir, tu vas pas la voir, JBR, là, comme c'est parti. Hein. Tu te foutais de ma gueule, mais. Faut l'attaquer, les gars, là. Mais non, pas eux, on s'en fout d'eux, on veut Gilbert. Putain. Oui, bah eux, ils sont touchés, ça me fait une belle jambe. Moi, je comprends pourquoi tu l'avais pas eu, hein. Il est pas facile. Mais si, je l'ai eu. Oh là. Bon, alors. Bah. Je m'en fous qu'il meure, je veux Gilbert. T'as réussi? T'as réussi! C'est bon. Ben voilà. Tu l'as recruté, c'est bon. Bougre d'inutile. Ouais, il se casse, je crois. Je crois qu'il va se casser ou il va venir avec vous. Écoute Gilbert, pourquoi ne viens-tu pas avec nous? Un vaillant guerrier comme toi ne peut recevoir de l'argent d'une ordure comme Lucas Blight, loul. C'est donc le destin. C'est ton destin. D'accord, je viens. Les mercenaires de Gilbert. Gilbert, tu oses nous trahir en pleine bataille en plus. Désolé, je vais vous rembourser, loul. Rembourser. Le problème, c'est qu'il risque de se faire buter, là. C'est ça, le risque. Donc, bah là, je sais pas, tu peux pas soigner. T'avais qu'un truc de soin. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour ce brave Gilbert? S'il meurt, c'est terminé, c'est fini. Je sais plus. Je sais plus si tu le perds à vie ou pas. Oh là là, un amoureux, j'aime pas trop c'est ça. Une bonne question, mais ça va bientôt s'arrêter là, le combat va bientôt s'arrêter, j'espère. Ouais, comme tu veux. Moi j'attendrai de toute façon. Ouais, bon, ça passe. Mais faut que ça s'arrête, faut que ça cesse là. Gilbert, je peux pas le déplacer. Non, c'est normal. Ah, t'as perdu une unité déjà. Bah, c'est normal en même temps. Faut pas attaquer Gilbert. Hein. Ouais, attaquer les autres, vous avez raison. Bon, je crois que ça passe. Hein. Mais là, faut que ça s'arrête parce que là, c'est risqué le prochain tour. Là. Non, mais attendez, faut arrêter. Ouais, je crois que c'est pas fini. Ils ont embauché des tirailleurs. Ouais. Ah oui, en plus, il est en automatique. Ah ouais. Putain, et tu peux pas le contrôler. Ah, c'est chiant ça. T'as vu comme t'es pessimiste alors que Gilbert, ouais, voilà, mais... first try. Ouais. Tu vois très bien que ça se passe très bien. Ouais, c'est fou. Fallait pas s'exciter. Ouais, faut que ça s'arrête maintenant. On peut pas replier Gilbert. Je peux pas, bah pas. Non, il est tout seul. Enfin, il se bat de lui, c'est l'ordi. Il est avec toi, mais tu peux pas le contrôler. Et auto-réparation, ça soigne qui justement? Ça soigne que toi. Mais ça, c'est juste un passif, ça. Bon, on va les attaquer eux aussi, hein. On va essayer. Ça n'a pas été très efficace. J'ai l'impression qu'ils veulent pas attaquer Gilbert, ça tombe bien. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis non, des... Non, pas Gilbert. Ça va, ça va. Par contre, toi, tu l'as tué. Et ça, c'est bien joué. Enfin, c'est Gilbert qui l'a tué. Le combat ne peut pas être c'est déjà fini. Joué, c'est impossible, Nicky Larson. Je vengerai. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis des bruits de cours de récré quand il y a les soldats qui attaquent? Ouais. C'est un style. Après, bon, le recrutement de Gilbert, je t'avoue que...
voilà quoi. Que t'as réussi ta vie quoi. C'est un peu what the fuck, donc... Je l'avais eu la première fois, hein. Maintenant je me rappelle. Mais j'ai genre... Non mais... C'est vraiment genre... Ah, mais au fait Gilbert... t'es sûr que tu veux te battre là pour le camp des méchants? Parce que ici on est des gentils, hein, tu sais... c'est pas cool cool, hein. Ah bah t'as raison finalement, maintenant que tu me le dis... Peut-être bah après, que c'est je vais... un mercenaire, mais c'est un mercenaire, donc ça peut passer. Non mais n'importe. Mais bon. Bon, on va... Alors, c'est pas Gilbert que je contrôle, hein. Non. Donc on va bah, attaquer... Attaque si tu veux. De toute façon, s'il meurt, tu t'en branles, de toute façon. Comment ça? Ça change rien. De toute façon, je peux les attaquer deux fois. J'ai pas d'autres trucs offensifs. Donc, avec un peu de chance, on en viendra à bout. Et je pense pas, mais. Non. Bah, à un moment, ça va s'arrêter. Bah, ça s'arrête quand, bordel? Bah, au bout de deux jours. Putain. Alors, peut-être que même si Gilbert il meurt, peut-être que tu l'as quand même. Je sais plus. Je t'avoue que je me souviens plus. Attends, je vais regarder la solution. Je pense qu'il faut éliminer toutes leurs armées. Hein. Bon là j'ai fait aussi hein, une bonne action du coup. Enfin, l'IA. Est-ce que ça va marcher? Ouais, ils disent rien. Ah ça y est, c'est fini. Ah, Miklotov, qu'est-ce que tu dis Camille? Nos chevaliers doivent tourner le dos à l'ennemi et s'enfuir. C'est un devoir de chevalier d'obéir de son seigneur. As-tu oublié ton serment? Bon sang. C'est la fin, tu penses? Bah tu t'es fait trahir là. Trahir. Qu'est-ce qui leur prend? Ils ne vont pas défendre Muse. On dirait que quelqu'un s'apprête à nous jouer un sale tour. Si Muse tombe, ensuite ce sera vous. Ah, c'est pas fini encore. Ok. Et là, on a perdu quand même les chevaliers, là. Bon, on va déjà couvrir un peu la distance qui devrait les éloigner légèrement de notre JJ national. Ouais. Alors... Mais c'est peut-être cet enfoiré. Pas du tout. Pourquoi tu penses ça? J'ai vu, j'ai tout vu. Ah bah en plus tu le vois pas sur YouTube, attends, je veux le réaliser. Bah non mais c'est une illusion, je crois pas attends, ce que tu attends, dis. Attends. Ah non tu le vois pas. Mais quel enfoiré, putain tu le vois pas sur YouTube. En fait je vous explique. Mais pas du tout. En haut, dans le Discord tu vois en fait tous les trucs d'émulateur machin. Et j'ai vu qu'il a mis, qu'il a cliqué sur Save State. Pas du tout, j'ai pas tout du vu. Tout. J'ai tout vu. Ah, t'as réussi, c'est bon. Et alors, ça s'appelle ah bah, comment? Ça y est. El Talento, T-A-L-E-N-T-O. Oui, bah, c'est encore un combat tuto, ça. La seule difficulté, c'est de récupérer Norbert. Gilbert, ouais, mais vous voyez, bon, ce mec-là, ce baltringue nucléaire qui me sert de commentateur adjoint, il voulait vous faire croire que ce serait hard pour mon talent, mais non, en fait. Moi, first try, les gars. Et on le savait que ça allait se passer comme ça. Chaque fois, je le répète, je le dis, on le sait à l'avance, ça va bien se passer. C'est tonton, les gars, il faut pas s'inquiéter. Ouais. Voilà. Bon, on va pas trop exagérer non plus. Vous êtes bien battus maintenant, reposez-vous tous. Eh oui. À partir de maintenant, on va voir Gilbert dans l'équipe. Trop trop bien, quoi. Ouais. Je pense que je vais bon, le laisser après, dans au placard. Je précise que Gilbert n'est pas un combattant... que tu peux utiliser dans des combats classiques. Tu l'utilises que dans les combats stratégiques qu'on vient de faire. Seulement. Il sert ah pas. Bon il sert pas comme. Non, non. Mais par contre, dans les combats stratégiques, il doit être plutôt plutôt ouais, fort. Les médiums de mémoire. Je crois qu'il a un bon passif. Je sais plus quel passif il a, mais il a un bon passif. Mais sinon. Bonne nuit Benji. Au revoir, merci. Et Benji qui dit que ça s'appelle de la chance. Non mais quelle communauté toxique. Ouais. Mon mérite, comme dirait Nedry, mon mérite ne sera vraiment reconnu qu'après ma mort. Oublie cela, on n'a pas le choix. Je pense que nous devons nous protéger. Bah oui, si on le fait tous les deux, il faut qu'on se protège, ouais. Ah. Dites-leur comme cela. Je comprends. Ce sera comme vous l'ordonnez.
Finica, ne crois rien. Ce n'est que le vent. Va vite dormir. J'espère que c'est le bon chemin. Ok, c'est le matin. Tout le monde attend en bas. Bonjour, Ryu. Ouais, tu vois, t'as mis l'eau sur Nanami, donc elle peut soigner. Mais comme tu l'as mis qu'au niveau 19, elle a pas beaucoup de soins encore. Plus elle est au niveau, plus elle pourra soigner normalement. Enfin, pourra arrêter plus que. Je la prends jamais, Nanami. Il y a d'autres personnages qui sont mieux. Ah oui, je suis d'accord. Vous êtes réveillé. Et on peut retirer une rune qui a été mise et la mettre sur quelqu'un d'autre, du coup. Exactement. Sauf celles qui sont. Comment dire. Qui sont vraiment attitrés au personnage. Il y en a que tu peux pas enlever forcément, mais sinon oui. Vas-y, je suis là moi aussi. Ah, pardon, vous allez voir Annabelle aujourd'hui, non? Dites-lui comme j'ai bien travaillé, ok? Qui a bien travaillé? Sortez pas de la ville, l'armée Highland est partout autour. Bon, alors Zirio, tu ne veux pas savoir pour maître Genkaku? Ah, le bon vieux Genkaku. En tout cas, ça me fait bien plaisir, Lo, de faire ce live spécialement pour Nounette. Qui voulait voir Tomb Raider 3. Oh, elle voulait voir Suikoden. Ouais. C'est pour elle qu'on a annulé le live Tomb Raider 3 pour faire du Suikoden. C'est pas bien de troller Nounette. Hein. C'est bon, c'est péché, hein. Une accusation que je trouve injuste. Bon, du coup, on a réussi le combat avec Gilbert. Ça s'appelle le talent. On a quand même accompli un objectif important sur cette partie de live. Pas mal. Je me demande si c'est maintenant que... Lady Annabelle, je me demande ce qu'elle sait au sujet de Papy Genkaku. Lord Gustave, voulez-vous dire que la ville de Tinto ne coopérera pas? Non, pas du tout, mais tant que nous ne connaissons pas les intentions de Highland, je n'engagerai pas mes troupes. Je pense que leurs intentions sont claires. Peut-être avez-vous peur? Comment osez-vous? Lors de la guerre contre l'Empire de la Lune Écarlate, c'est l'armée South Window qui s'est repliée à la première goutte de sang. Imbécile, la guerre n'est pas un jeu. Arrêtez tous les deux, on ne se dispute pas. Faites la paix, vos petits camarades. En aucun cas, nous n'engagerons des troupes, c'est ma décision. Ouf. Excusez-moi, Ryu et Nanami, comme vous le voyez, nous sommes en pleine négociation. Pouvez-vous revenir ce soir? Oui, bien sûr. Partons, Ryu, Joey. Lady Annabelle, puis-je vous poser une question? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous vous battez? Qu'espérez-vous obtenir avec cette guerre? Je n'obtiendrai rien. Je me bats pour ne pas perdre. Je suis né à Muse, j'ai grandi à Muse, il est naturel que je veuille la protéger. Je me le demandais encore. Bon, elle s'est occupée. Elle est occupée, pardon. Est-ce qu'il y a des choses à faire dans cet hôtel de ville là? Je pense pas. Hein. Ta-ta-tom-tom. On dirait qu'il y a une bibliothèque, mais on sait pas y accéder. C'est curieux. Attends, peut-être par là. Par où? Alors je sais pas s'il y a un truc à récupérer là-dedans. Peut-être. Ça me dit rien. Voûte circulaire, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, oui. C'est des trucs qu'il y a dans les étagères.
On va faire comme ça. Y'a pas de personnage à récupérer par là. Je crois que c'est pas encore le cas, non. Je crois qu'il y a pas mot, y a pas de truc à récupérer pour l'instant. Je pense qu'on a tout récupéré jusqu'à présent, tous les personnages, non? Ouais, je me sens. Bon allez, comme il est minuit, presque une heure, on va aller se coucher. On va aller libérer aussi Monsieur Amoro. Bah ouais, on a fait une petite heure et demie, on a battu Gilbert, alors va. Si tu veux. Ouais, je dois me coucher quand même pas trop tard. Pour être en forme demain, j'ai du taf, mais ouais, on a profité hein, déjà. Il fallait qu'on continue un peu, on va continuer encore dans les prochains jours. Namoro est en congé jusqu'au 30 mars. Jusqu'au 30 avril. Jusqu'au 30 mars. Jamais je suis en repos. Moi. Ouais. Demain t'es là, non? Bah, je finis à 1h, je crois. Bah, mais oui, je serai là à 1h du matin. On demande au patron de pouvoir rentrer à 21h parce que demain. Bah déjà aujourd'hui j'étais censé travailler déjà. Donc... Ah bon? Pourquoi t'es pas au boulot, feignasse? Bah ils m'ont dit qu'ils avaient pas besoin de moi. Mais du coup je travaille lundi, du coup j'ai qu'un seul jour de repos la semaine prochaine. C'est la vie. I see. Il reste encore du temps, Ryu, jusqu'à ce soir. Tu ne te reposes pas? Je suis un peu inquiet pour Joey. Faut dire qu'on est inquiet pour Joey, je sais Joey. Ce qui le tracasse. Ça va aller, Pika. Oncle Joey n'est pas fâché avec toi. Ça va aller, ma chérie. Ouais, bah Joey, il a vu les enfants de les parents de Pika se faire massacrer, et néanmoins, il ne bouge pas le petit doigt, salaud de pauvre. Allez, on sauvegarde cette partie. Et puis voilà, tu vois, une sauvegarde legit qui évite justement de faire d'horribles save states. Parfait. Ça me semble très bien. On a progressé énormément. Après, je sais plus ce qui se passe par la suite. Bah oui, il va y avoir ce qui se passe au soir, quoi. Et puis, ce qui se passe à Muse. Et après, il me semble que c'est là qu'on part en exil, en fait, hein. Ouais. Faut qu'on doit en tout cas se retirer et puis qu'on... Moi le passage que j'avais beaucoup aimé dans ma première partie c'était avec le château de Necklord. Je trouvais ça cool, bah, le château qu'on récupère. C'est un petit peu après, ouais. C'est ouais. Assez cool quoi. Bah c'est là où ça commence, enfin, le concept commence là, oui. Enfin, Eh ben, parfait messieurs et messieurs dames. Merci à tous d'être passés sur le live. Et merci à Amoro. Merci beaucoup, merci. Pour son talent, même si ses informations ce soir étaient particulièrement douteuses, c'est pas ce qu'il avait mangé. Mm-hmm. Mais on connaît l'animal, ça arrive. Et puis voilà, un jeu qu'il est bon de redécouvrir. Et puis pour moi, de découvrir à partir du point où je m'étais arrêté à l'époque. Je pense qu'on va se rapprocher de plus en plus, mais on n'y est pas encore. Hein. J'avais fait Necklord, j'avais fait... plusieurs villes suivant. J'avais commencé à jouer au mini-jeu aussi, tu vois, avec les dés dans un petit bol là. Ouais, mais ça c'est. Quand tu peux faire des save-têtes, c'est pété ça. Mais oui, pour pas avoir plein d'argent, ouais. C'est pas mal. Alors j'aimais bien ce petit jeu, je trouvais que c'était sympa. Je sais plus comment ça fonctionne, mais voilà. On verra. Et puis même sans tricher, il y avait moyen de gagner, je me rappelle, sur PS3 quand je l'avais acheté sur la console. Bah je jouais à ce truc là et j'avais gagné pas mal de fric avec. Ouais. Donc, vous voyez, il faut pas toujours suivre l'exemple d'Amoro, faut pas toujours faire les safe states, faire comme tonton. Ouais. La politique de la maison, on mange pas de ce pain là. On va faire des safe states en fourbe. Oh, accusation mensongère. Ouais. Merci à tous et bonne nuit. Merci. Au revoir, merci et surtout au revoir. Au revoir, merci.